C'est juste, mais je peux me faufiler. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. Docteur Sobeck, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Ferreau. Veuillez monter au 35e étage. Quoi ? 350 000 ? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ? Protocoles sont basés sur des formes d'ondes polyphasiques combinées, décryptage quantique, niveau quartz noir, bien au-delà du niveau militaire. C'est ce que vous, vous vouliez. Alors c'est ce qu'on vous a fourni. On ne code pas quelque chose qu'on ne peut pas pirater. Il nous faut une porte dérobée. Chargez le dernier pack de mise à jour et ça réglera le problème. Vous nous avez formellement interdit de laisser tout ce qui ressemblerait à une porte dérobée dans le code. Tous les protocoles du standard quartz noir. Je vous cite. Écoutez. Si vous voulez que je trafique quelques projections, ce ne serait pas la première fois. Je ne veux pas de projections trafiquées. Je veux pouvoir reprendre le contrôle du groupe Artstimor. Je ne sais pas quoi vous dire, Ted. Vous me demandez l'impossible. Des codes. Ils avaient besoin de codes pour pouvoir contrôler les machines. Mais elles leur ont échappé. Et ça a mal tourné. Un porte-mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait. Soyez les bienvenus chez Pharo Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Pharo, à la gamme de robots pacificateurs dynamiques char qui règlent les conflits dans le monde entier, Pharo est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux.
et plein de surprises. La société Faro Automate. À chaque problème de la vie. Il y avait quoi ici? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton focus. Ça t'aidera à comprendre. Je sais bien que ce changement d'orientation peut surprendre. C'est vrai, on est quand même Faro Automate, non? Les numéro 1 dans le domaine de la robotique. Pourquoi tirer un trait sur l'ensemble de notre production pour fabriquer des véhicules et des armes pilotées, des vestiges du passé? Tout ce que je peux vous dire, c'est... Suivez-moi. Nous allons profiter d'une énorme... opportunité de croissance en modifiant et en restructurant nos ressources selon mon plan. Je vais avoir besoin de projections révisées de la vitesse de production de masse pour toutes les chaînes sous 36 heures. Donc, il fabriquait des machines. L'air... Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Un autre éboulement. Mais je peux passer.